think about it every night and day. I'm addicted, wanna jump inside your love. I wouldn't wanna have it any other way. Salut, salut tout le monde, c'est Dragoon1010 et aujourd'hui je reviens avec un nouveau tutoriel sur la Redstone. Donc aujourd'hui nous allons parler d'une façon de cacher une entrée avec un mur tout simplement qui va s'ouvrir devant vous, mais que vous pourrez activer via une torche de redstone ou un bloc quelconque, c'est à vous de voir. Donc nous allons travailler plusieurs étapes bien précises. Je vais essayer de faire très vite parce que juste avant je vous ai déjà filmé le tuto, bien sûr vous ne le verrez pas, hein, mais j'ai filmé le tuto juste avant et j'ai le jeu qui s'est mis à laguer parce que j'avais pas assez de mémoire sur le disque dur malheureusement. J'en ai eu pour une quarantaine de minutes, donc on va essayer de faire ça en un quart d'heure si possible. Donc c'est parti. Donc là, je me suis fait une petite entrée secrète qui consiste tout simplement, ici je vais mettre une torche de redstone qui va aller activer un système. Donc vous allez voir. Et voilà. Et donc ça dure 5 secondes avant de se refermer. Donc le temps c'est moi qui l'ai choisi, hein, je précise. Donc, je vais en profiter pour vous expliquer comment ça marche, le temps d'y aller. Donc en fait, ça fonctionne simplement sur plusieurs portes logiques et sur des systèmes de bugs. C'est-à-dire que le fait de détecter la torche de redstone, c'est un bug qui s'appelle le BUDS. Donc le BUDS, c'est un moyen tout simplement de déclencher de la redstone d'une autre façon. Donc je vais vous montrer ça. Jusqu'à maintenant, il était connu trois manières d'envoyer un signal de redstone. Il y avait le classique interrupteur, qui lui envoyait un signal continu. Le bouton, qui envoyait un signal d'un type de 3 tics. Voilà. Et la torche de redstone. Il y avait aussi la plaque de pression. Mais jusqu'à maintenant, on connaissait pas trop, enfin il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas encore les systèmes de BUDS. Donc le BUDS, c'est sur le changement d'état d'un bloc. C'est-à-dire qu'un bloc, par exemple, ici ce câble, est éteint. En l'allumant, il a changé d'état en fait. Ici, c'est la même chose. Cette eau, d'accord, qui tombe d'un côté, mais qui ne tombe pas de ce côté-là, peut changer d'état. Enfin, va détecter un changement d'état, en fait. C'est-à-dire que ici, par exemple, je vais poser un bloc. Vous voyez, ça change d'état. L'eau coule et le système s'active. J'enlève le bloc. Il y a eu un changement d'état. Le système s'active. Donc, c'est un moyen simple de changer justement tout ça. Enfin, regardez, par exemple, je mets de la redstone. Le système détecte le changement d'état du bloc qui est à côté. Donc celui-ci ou celui-ci aussi par exemple. Donc ça, c'est une BUDS classique. Faut savoir qu'elle est relativement longue quand même, comparée à l'autre que je vais vous montrer juste après. Relativement longue à s'allumer, vu que le bateau doit se soulever et tout. Mais elle dure 2 tics de plus que celle que je vais vous montrer juste après. Donc elle peut être efficace si vous voulez un système un peu plus long. Mais sinon, moi personnellement, je la trouve un peu obsolète. Donc c'est tout simple, hein, je vais vous montrer comment ça marche. Vous avez deux pistons qui sont ici. Ici, vous avez une plaque de pression. Donc le bateau active la plaque de pression. Le signal passe, je vais vous montrer. Le signal passe là. Donc là, vous ne faites pas gaffe à ça, hein, normalement c'est refermé comme je vous ai pu voir. Il passe ici, désactive la torche de redstone qui, elle, va désactiver ça et ça. Donc le repeater ici va être activé grâce, enfin va activer les deux blocs, grâce au bloc du dessus, justement, va activer les deux pistons. Et donc voilà, donc là, le signal va passer ici. Vous allez voir, je rechange. Et donc là, vous voyez, ça a détecté le changement d'état et ça a activé mon piston qui est là. La seconde BUDS consiste tout simplement sur un changement d'état, encore une fois, mais avec le piston. Donc vous avez deux manières de faire avec, c'est ça qui est génial. Donc attendez, hop, vous avez la manière classique, donc le changement d'état du bloc à côté du piston. Vous voyez, hein. Mais moi, je trouve pas ça classe d'avoir un trou comme ça avec le piston et où il faut poser son bloc. Il y en a qui aiment bien, mais moi personnellement. Donc, la redstone ici, donc je précise bien, c'est soit une torche de redstone ou un repeater. Donc vous voyez, ça fonctionne avec un repeater parce qu'il y a des torches de redstone dessus. Mais le reste ne marche pas. Hein. Vous pouvez essayer ce que vous voulez. Ça ne marche pas. Voilà. La troisième chose que je voulais vous montrer,
c'est une chose très importante que on va, enfin, je pense avoir inventé il n'y a pas longtemps, peut-être qu'il y a des gens qui le savent, hein, mais j'ai cherché désespérément hier en fait après un tuto pour rajouter du délai, donc qu'une impulsion soit agrandie plutôt, pas rajouter du délai. C'est-à-dire que ici, avec un repeater par exemple, j'ai rajouté, admettons ici, 8 millisecondes de délai. Donc admettons, voilà, là j'ai rajouté une seconde de délai avant que l'arrêt sonne ici s'allume. C'est-à-dire que là il faudra une seconde au signal pour passer. Mais le problème avec ça, c'est que si vous avez une simple impulsion très rapide, comme ceci, vous voyez, le temps d'impulsion ne dure qu'un tick. Ça passe pendant, ça met une seconde à arriver au bout, mais le temps d'impulsion ne dure qu'un tick. Donc j'ai voulu pallier à ce système-là. Et donc j'ai fait un système simple, avec une porte logique très connue, qui est la bascule des flip-flops, enfin c'est pas la plus connue, mais qui fonctionne. Donc c'est tout simple, je vais vous montrer comment elle marche. Maintenant, je vais vous montrer après, de toute façon, on devra la refaire. Donc, la bascule des flip-flops ici, vous voyez, elle est là. Vous avez l'entrée qui est ici. Vous avez la sortie qui est là. Ici, je lui ai ajouté des repeaters sur une sortie externe, donc qui dure 3 secondes en tout, hein, j'ai ajouté 3 secondes de délai, qui va activer un piston là et qui va réinitialiser la bascule des flip-flops au bout de 3 secondes. Donc, regardez, là, je fais ça, il ne se passe rien. Je l'enlève. 1, 2, 3, et voilà. Ça se désactive, donc on va le refaire vite fait. 1, 2, 3, et ça se désactive. Voilà. Donc vous pouvez ajouter 10 secondes, 20 secondes de délai, vous faites comme vous le souhaitez. Et donc le système final que je vais vous présenter, c'est ça. C'est-à-dire que ici, normalement il y a ce bloc là. Sous-saï. On va mettre un répéteur là, je crois que c'est ça le problème. Parce que ma bascule des flip-flops n'est pas revenue en position. Voilà. Donc vous voyez, je mets... attendez. 1, 2, 3. Et voilà. Donc c'est mon système final. Donc nous allons faire ça vite fait, bien fait. Donc le système très rapide. On va essayer d'être le plus rapide possible, le plus bref. Donc vous allez me créer une porte. Donc ici ce sera ici que ça va s'ouvrir. Je sais que vous n'aimez pas spécialement ce qui est rapide, mais je vous dis tout à l'heure j'ai voulu vous présenter tout ça en détail. Et, le problème c'est que c'était pas assez rapide. Donc voilà. Donc ici vous cassez tout ça, vous mettez 4 pistons espacés d'un bloc à par rapport au mur, vous mettez 4 pistons ici, oups, vous mettez 4 pistons ici, ensuite une fois que c'est fait vous allez mettre donc repeater, voilà. Repeater. Hop, on descend le signal. Hop. Ici, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Repeater. Signal de redstone, enfin câble de redstone. Vous agrandissez le tout. Repeater. Hop, vous descendez le câblage comme tout à l'heure. Et vous étirez ici. Voilà. Donc une fois fait, vous allez donc, je vais utiliser World Edit, ça sera beaucoup plus rapide. Je sais que vous aimez pas World, vous n'aimez pas World Edit, mais c'est question de rapidité. Hein. Parce que j'ai vraiment pas envie de perdre de temps. Voilà. Donc là, je vous ai creusé un truc. Faites pas gaffe à ce qui est en dessous, hein, c'est des mines. De là, donc vous allez faire ceci. Vous allez casser là, voilà, comme ça. Vous allez mettre deux torches de redstone en dessous des pistons qui sont là. Ensuite, vous allez refermer au-dessus. Donc je le fais sous terre, ça permet comme ça de vous laisser de la place. Hein. Hop, vous mettez de la redstone au-dessus des pistons du dessus. Vous mettez
un système d'inverseur comme cela pour pouvoir inverser le signal justement. Ensuite, comme ça, voilà. Hop, donc vous descendez ce signal que vous allez relier donc au système ici. Attendez. Donc, je disais, là vous mettez, hop, deux repeaters que vous allez relier donc aux deux torches de redstone. Vous mettez le signal de redstone là, hein, bien sûr. Vous me faites descendre ce câblage. Donc avant tout, on va d'abord fermer le système pour être sûr que ce soit valide. Donc vous voyez, ça ne l'est pas. Hop. Donc une fois fait, vous refermez le tout, hein, bien sûr, ici, pour pouvoir voir un peu ce que ça va vous donner au niveau de votre allée. Donc là, le but, c'est de cacher tout le système électronique qu'il y a. Voilà. Donc là, nous avons un signal qui est là. Nous allons faire passer un second signal que nous allons faire descendre ici. Donc attendez, hop, désolé pour le trou, c'était pas prévu ça. C'était pas au programme. Voilà. Ici, la même chose. Hop. Voilà, donc là je vais creuser hein, pour pouvoir vous laisser de la place, hein, pour pouvoir faire voir un peu à quoi ça va ressembler. Vous reliez donc comme ceci. Ne vous inquiétez pas du câblage de l'autre système, hein, c'est pas un souci. Vous pourrez croire, mais donc là, pour pallier à ce problème, vous faites ça. Non. Vous allez me faire plutôt hop, descendre le câble ici. Voilà, vous allez repasser là. Et voilà. Et donc là, nous allons faire une porte logique qui est... Une porte logique, c'est même pas une porte logique, qu'est-ce que je raconte? Nous allons faire un séquenceur. Donc un séquenceur, je vais vous montrer vite fait comment ça marche. Petit bien vite fait, hein. ça permet en fait de faire un système de séquence, d'où son nom, selon une logique bien précise. Donc vous allez voir. Donc attendez ici, je l'avais cassé tout à l'heure. Hein. Hop. Voilà. Donc admettons, ici c'est mon départ de redstone. Attendez, hop. Là c'est le départ de ma redstone. Donc ça passe ici. Et vous voyez, les pistons ont été activés, le premier et puis le deuxième. Et là, c'est l'inverse. Donc je vous remonte. Premier, deuxième, deuxième, premier. Donc en fait, ça utilise, donc ça active d'abord le premier puis ensuite le deuxième. Et ensuite, ça fait le sens inverse, ça désactive le deuxième puis le premier. C'est ce qu'on veut ici. Donc vous mettez... Vous faites cette fameuse porte. Enfin, vous appelez ça une porte logique, mais ça n'en demande pas une, hein, comme je vous ai dit. Donc pour ça, c'est tout simple. Hein. Votre signal part ici au départ. Donc vous mettez un repeater comme ceci réglé sur 4. Un repeater ici réglé sur 4. Hop. Puis un repeater inversé ici sur 4. Donc en fait, ça doit faire une boucle quasiment. À part que là, ça part dans le même sens que l'autre, bien sûr. Ici, vous allez m'inverser le signal. Là non, hop, donc là vous mettez des repeaters pour dire d'être sûr que le système soit activé, c'est pas un souci tant que vous les déréglez pas, quoi qu'il y ait de décalage. Et donc normalement mon système doit être tout bon, c'est tout bon, voilà. Ensuite donc nous allons faire
sortir notre câble. Et une fois fait, nous allons tout simplement créer nos deux autres portes logiques que je vous ai créées, enfin le BIDS et le fameux système que j'ai créé avec la bascule TP-flop qui va permettre d'ajouter du délai dans la pulsion. Donc vous faites remonter votre câble. Voilà, nous allons faire donc la fameuse bascule qui sera ici. Hop, donc la bascule c'est plus flop, hein. Je vous la montre en même temps, j'explique pas trop, mais n'hésitez pas à bien regarder, hein. Et même mettre pause, je sais que je fais ça rapido, c'est vraiment pas voulu, mais c'est assez long à vous montrer, vu que je montre plusieurs systèmes, donc il faut vraiment que je fasse rapide. Donc voilà, là j'ai ma bascule c'est flip-flop avec l'entrée d'un côté, la sortie de l'autre. Ici, je vais ajouter donc mon timing, qui sera de 3 secondes ici, hein, pour éviter de mettre trop de récepteurs, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, par exemple. Hop. Donc voilà, là, on va mettre mon piston qui sera ici, mon bloc ici. Faites bien gaffe que ça arrive bien derrière en fil droit comme ça, hein, vers le piston, ça doit pointer. Sinon ça ne marchera pas. Oh là là, je fais que de la merde, c'est pas possible ça. Voilà. Donc là, nous avons notre système qui est OP. Le dernier système, ce sera tout simplement notre système de changement d'état, enfin qui va être détecté, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc là, nous avons le mur. Nous voulons que la torche de redstone soit posée ici, donc notre piston va être là. Donc la base du piston doit être ici. Hein. Oups. Voilà. De là, vous mettez votre redstone ici, votre torche de redstone. Hein. Vous activez grâce à ceci, vous remontez. Hop, voilà. De là, vous faites ça, ça, ça. Vous mettez un répéteur réglé sur 4, un réglé sur 3. Vous mettez de la redstone là et de la redstone là. Et voilà. Et donc là, bah, notre système, vous le reliez ici. Vous mettez un petit répéteur, hein, pour être sûr que tout marche bien. Et donc, bah, nous allons tester. Hein. Donc nous allons fermer là, normalement on n'est pas censé voir ça. Bon, là c'est bon, tout est relié, je vérifie tout, hein, parce que tout à l'heure j'ai fait une petite erreur. Là c'est relié, c'est bon, on peut y aller. Donc on met notre torche redstone là. Et voilà. Donc vous voyez, hein. Ah, il y a un bug. Il y a un gros bug là. C'est ça qui bug. Pourquoi ça bug? Ça devrait pas bugger. Ça devrait marcher normalement. Merde. Hein. Peut-être que le signal est trop court. Attendez, parce que là j'ai ajouté, je sais pas. Voilà. Donc on va retester. Pourquoi ça ne va pas marcher? Bon là je vois vraiment pas le souci.
Ça devrait marcher normalement. Il devrait y avoir un problème avec ma bascule tip-flop. Le problème vient de là, ça c'est sûr et certain. Maintenant, vous dire qu'est-ce qui merde, alors là, ça va être le plus dur. Donc on va refaire la bascule. Hein. Je vous rappelle, vous mettez un bloc là, piston. Hop, vous mettez un piston ici que vous allez activer en premier lieu. Le second ici. Hop, ah oui, j'avais peut-être oublié de relier en haut. C'est ça. Voilà. Comme ceci. Là, ça devrait être bon. On va retester. C'est reparti pour un tour. C'est ça le problème hein, quand on fait des systèmes compliqués. Ouais, c'est pas là. Voilà. Bon, je vois pas pourquoi ça ne marche pas, pourtant je vais vous montrer, ici nous avons exactement le même système, hein. Donc qui est là, je vais vous montrer avec ça, donc nous avons exactement le même, nous avons le BUDS qui est là, la T flip flop avec l'inverseur, enfin avec le piston là, hein. 3 secondes de délai, ça passe sous terre, puis ensuite ici nous avons nos repeaters pour les pistons là, nos repeaters pour les pistons là, nous en avons au-dessus et en dessous. Donc je vais vous montrer ce que ça donne au final. 1, 2, 3. Voilà, normalement ça doit faire ça en fait. Donc voilà. Donc c'était le tutoriel sur la porte cachée qui s'ouvre avec un système de bugage. Qui s'ouvre grâce à une torche de redstone que vous allez placer à un endroit bien précis. Il y a vraiment un souci avec cette porte, je sais pas pourquoi, mais ça me fait chier. Ah, peut-être ça. Ouais, bon ben voilà. Donc n'hésitez pas à commenter ma chaîne, hein, à commenter même la vidéo. Si vous avez apprécié le tutoriel, s'il y a des défauts, si j'étais un peu trop rapide à votre goût, n'hésitez pas à me le signaler. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous. Et puis n'hésitez pas aussi à faire partager ma chaîne, ça me fera toujours plaisir. Voilà, donc c'était Dragoon1010 pour le tutoriel sur la porte cachée grâce à de la redstone et des pistons. Et puis je vous dis à plus tard pour un troisième tutoriel. Ciao ciao!